Bonjour tout le monde. Merci de nous suivre pour cette journée marathon de talk. On va accueillir Hervé Boismontier. Hervé, es-tu là? Hervé. Oui, je suis là. Es-tu là? Ok. Allez, c'est parti. On oppose souvent l'écologie, l'accessibilité et les nouvelles technologies. Et pourtant, il est possible de rendre son site green et accessible au plus grand nombre, et cela avec une performance et un référencement amélioré. Hervé va nous expliquer comment. Hervé, je te laisse le stage. Hop, je fais juste. Bon, ça y Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier la FUB de me donner l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis Hervé Boismontier, formateur à ENI École Informatique, et je vais vous parler aujourd'hui des sites Internet pour répondre aux défis actuels, le Green IT, l'accessibilité, la performance et le référencement. Pour cette présentation, je vous propose qu'on se mette dans la place, dans la position d'un développeur qui rencontrerait ces quatre personnes qui représentent ces quatre thématiques. Donc, tout d'abord, le premier acteur, c'est le Green IT. Donc, vous aurez de temps en temps des petites notifications qui apparaîtront sur votre écran. Et donc, voici le premier acteur qui représentera le Green IT. À tort, on a l'impression qu'Internet, c'est quelque chose de virtuel, donc qui n'a aucun impact. Or, à chaque fois qu'on va utiliser des choses sur Internet, ça va avoir un impact en termes de consommation d'eau, d'électricité et de production de gaz à effet de serre et de déchets. J'utiliserai comme référentiel le livre Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques de Frédéric Bordage. Je vous le conseille tout particulièrement. Le second acteur va être l'accessibilité. Comme référentiel, on a le choix. Il y a différents documents que l'on peut utiliser. Tout d'abord, il y a les documents officiels du W3C. Donc, le premier lien, c'est la version officielle. Le deuxième, c'est un tutoriel qui permet de voir comment concrètement mettre en œuvre ces recommandations. Je vous le recommande tout particulièrement. Enfin, en France, on a l'équivalent, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui reprend trait pour trait ce qui est dans les recommandations du. Petit problème technique, peut-être que on voit ce qu'on peut faire. Hop, Hop, tu vois je le truc. partageais. Bon, c'est bon, du coup, on te redonne la main. Merci. Oui, merci. Hop. Ah, désolé pour le petit quoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, sur l'accessibilité, il y a différents constats que l'on peut faire. Le premier constat, c'est que la majorité des sites ne sont pas accessibles, ce qui est un réel problème à l'heure actuelle, puisqu'on a besoin, pour faire n'importe quelle démarche, maintenant, ça se passe par Internet. Or, 90% des sites sont inaccessibles. Et puis, on va se rendre compte que il y a beaucoup plus de personnes qui sont en situation de handicap que ce que l'on pourrait croire. Donc, c'est. Hop, je vais y arriver. Ça représente une personne sur cinq en France, selon les chiffres de l'INSEE. Ça peut paraître beaucoup parce que tous les handicaps ne sont pas visibles. Et les handicaps sont divers. C'est-à-dire que si on prend des handicaps visuels, on a bien sûr l'image de la personne aveugle avec sa canne blanche, où là, effectivement, ça se voit tout de suite qu'elle a un handicap. Par contre, il y a tout un tas d'autres personnes qui vont souffrir de handicap visuel, le daltonisme, les DMLA, etc., etc. Et là, pour le coup, ça ne se voit pas. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est une grosse partie des personnes et donc une grosse partie des futurs visiteurs de vos sites web. Ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que l'objectif, c'est de rendre accessible à ses utilisateurs, votre site, ce n'est pas de les assister. C'est-à-dire que pour une personne qui a des problèmes visuels, ce n'est pas la peine de proposer la version audio de votre site. La personne, elle aura déjà un synthétiseur vocal pour l'assister. Par contre, ce qui va être nécessaire, c'est que votre site respecte les standards pour que le synthétiseur vocal puisse correctement restituer
votre contenu. Hé hey Google, tu exagères? On vient de parler accessibilité. Je vous accompagnerai pour optimiser votre facilité. Donc voici le troisième acteur. Quand on regarde le monde des moteurs de recherche, on se rend compte que l'écrasante majorité, c'est Google. Néanmoins, si on y regarde d'un petit peu plus près, on peut voir qu'il y a d'autres acteurs comme Ecosia qui replante des arbres ou Quant, le français, qui se veut plus respectueux de nos données personnelles. Au vu de l'écrasante majorité de Google, c'est quand même généralement sur celui-ci qu'il va falloir se concentrer. Donc, j'utiliserai le référentiel de Google pour cette présentation. Donc enfin, le dernier acteur, c'est la performance, et pour celui-ci, je n'utiliserai pas de référentiel particulier. Voici donc maintenant quelques recommandations sur le Green IT. Donc la première, c'est tout d'abord d'éliminer les fonctionnalités non essentielles. Ça peut paraître une évidence, parce que tout simplement, c'est quelque chose qu'on se dit qu'on va faire naturellement. Néanmoins, il y a encore 45% des fonctionnalités de nos sites qui ne sont jamais utilisées. Donc, si jamais on se concentre sur les autres, bah, ça permet d'avoir moins de lignes de code, donc moins cher à créer, plus facile à maintenir et plus de temps à investir bah, sur du test, sur de l'accessibilité, etc., etc. Si on écoute Google, c'est son unique objectif. Il va dire, moi, je veux vraiment que l'utilisateur il puisse accéder à des fonctionnalités de qualité dont il a vraiment besoin. Bon, ça, c'est ce qu'il va nous dire. Pour les personnes en situation de handicap, c'est une bonne chose puisque ça permet de s'y retrouver plus facilement. Et vu qu'il y a moins de choses, ça va être plus rapide. Donc, on va y gagner aussi d'un point de vue performance. La troisième bonne pratique dans cet ouvrage, c'est de fluidifier le processus, c'est-à-dire d'avoir une faible profondeur du site. Un ou deux clics pour accéder à une page sur un site web de taille standard, trois ou quatre sur un vraiment très gros site. Vous avez un certain budget de crawl, budget d'indexation par votre moteur de recherche, et donc moins il y a de pages, bah, et moins il y a de pages à passer pour accéder à une information, plus vous allez avoir de chances que votre page soit indexée. La navigation, ce n'est pas forcément quelque chose de simple pour une personne en situation de handicap. Donc, s'il faut passer par 10 pages pour arriver sur la page qui intéresse, ce sera bien mieux de le faire en version plus directe. Enfin, donc moins de pages demandées, moins de charges pour le serveur, on va gagner en performance. Concernant les feuilles de style, une bonne pratique, c'est de limiter leur nombre et de les compresser. La recommandation, c'est de dire qu'on va avoir un fichier CSS qui va concerner l'ensemble de notre site web. Et puis, pour des pages bien spécifiques qui ont besoin de choses particulières, on va rajouter un fichier CSS en plus. Comme ceci, bah, le premier fichier CSS ne sera chargé qu'une seule fois. Ensuite, on a intérêt à minifier nos CSS et à les compresser. Donc, on peut utiliser des outils tels que minifier.org, par exemple. Et puis, donc, pour compresser, dans notre Apache, on peut utiliser cette petite ligne de configuration pour qu'il fasse la compression. Ces deux éléments-là, ensemble, permettent de gagner près des deux tiers de la taille de nos fichiers. Donc, bien évidemment, ça n'a aucun impact sur le SEO ou sur l'accessibilité. Par contre, on va avoir un gain sur les performances. Et en PHP, me diriez-vous, on est quand même là pour parler un petit peu de PHP, bah, il y a tout un tas de recommandations côté serveur qui sont proposées, des choses que vous faites déjà sûrement naturellement, mais peut-être pas forcément systématiquement, l'utilisation de la simple quote à la place du guillemet pour éviter l'interprétation de ce qui est dans la chaîne, la libération de la mémoire des variables qui ne sont plus utilisées, ou alors le fait d'éviter d'appeler inutilement des fonctions. Il vaut mieux l'appeler une seule fois, stocker le résultat dans une variable, plutôt que de l'appeler à chaque itération de la boucle.
Ça peut paraître des petites choses, mais bah, imaginez que ce soit des choses qui soient sur des pages qui soient très demandées par beaucoup d'utilisateurs. Bah, dans ce cas-là, c'est là où ça va réellement avoir un vrai impact. Sachez également que Google, dernièrement, dans son nouvel algorithme, va favorise les sites Internet qui sont rapides. Donc, c'est également une bonne chose pour votre référencement. Enfin, ce qui se passe côté serveur pour l'accessibilité, ça ne change rien. C'est la page qui récupère, au final, quelle que soit la façon qu'elle soit générée. Et pour la vitesse, bien évidemment, on va y gagner. Voici maintenant quelques recommandations sur l'accessibilité. Un des premiers critères qu'on vous donne, c'est que l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Donc un contre-exemple classique, c'est de faire apparaître les bordures en rouge pour un champ d'un formulaire qui poserait problème, qui aurait été mal complété. Ben là, une personne qui serait daltonienne, elle ne verra pas la différence. Donc, il est toujours nécessaire de donner autre chose pour pouvoir indiquer qu'il y a une erreur. Un message d'erreur, une icône, mais pas que la couleur pour indiquer l'erreur. Autre critère concernant les couleurs, il faut qu'il y ait un contraste qui soit suffisamment élevé entre la couleur du texte et la couleur de l'arrière-plan. Idéalement, il faudrait utiliser un contraste triple A. C'est ce que j'ai fait dans cette présentation. Et donc là, vous voyez qu'effectivement, entre le fond et le texte, il y a une vraie différence. Au minimal, on demande un contraste un petit peu plus faible, double A, qui est suffisant, mais néanmoins un petit peu moins marqué. Et puis en dessous, je vous ai montré un petit contre-exemple de nos amis de chez Deezer qui n'atteignent pas ce contraste minimum du double A. Pardon. Il existe des outils qui permettent donc de tester cela. Donc, dans Firefox, vous avez dans les outils de développeurs, vous avez un onglet accessibilité. Et donc, bah, ça permet de vérifier toute votre page pour vérifier est-ce qu'il y a des contrastes qui ne sont pas suffisants. Donc là, quand je le fais sur la page de Deezer, bah, par exemple, je peux voir sur l'exemple précédent que le contraste, suivant l'endroit dans lequel on se situe, il est compris entre 2,1 et 3,68, ce qui est inférieur au contraste minimum de 4,5. Si la page est accessible, bah ça veut dire que... Donc, je suis désolé. Si la page est accessible, bah, ça va permettre aux utilisateurs bah, de trouver l'information qu'ils sont venus rechercher. Ça va éviter qu'ils aillent sur une autre page Internet pour rechercher la même information. Sachez que Google va pénaliser les sites qui ont des contrastes insuffisants. Il fut un temps que c'était un petit hack pour pouvoir mettre artificiellement des mots-clés dans sa page. Maintenant, évidemment, ça ne passe plus. Et il va pénaliser ces sites-là. Donc, il faut avoir un contraste suffisant. Pour les performances, on va bien évidemment avoir les mêmes performances, quelles que soient les couleurs que l'on choisisse. Sur la structuration des pages, il faut s'assurer que le code soit valide d'un point de vue W3C. Donc ça, il faut faire valider ces pages. C'est extrêmement important parce que tous les outils d'assistance vont se baser là-dessus pour pouvoir s'assurer qu'eux sont capables de restituer correctement le contenu. Donc un synthétiseur vocal, il faut qu'il arrive à comprendre la structure, comprendre ce que vous avez dedans pour pouvoir correctement synthétiser votre contenu. Autre élément, il faut avoir la langue qui soit indiquée pour chacune des pages. Donc sur la balise HTML, il faut mettre l'attribut langue pour indiquer quelle est la langue du document. Ça, c'est important parce que un synthétiseur vocal, encore une fois, il va choisir la bonne prononciation pour le texte. Et si vous ne le mettez pas, bah, par défaut, il va prendre l'anglais. Et imaginez un texte français lu avec un accent anglais, ça donne des choses pas très agréables. Donc Google, évidemment, ça va aussi l'intéresser parce que ça lui permet de trier les documents en fonction des langues.
De plus, sachez que cet attribut langue est un attribut universel. On peut donc le positionner sur n'importe quelle balise. En particulier, si vous avez une petite citation dans votre texte, bah, vous pouvez mettre cet attribut langue et indiquer la langue qui est utilisée pour la citation. Enfin, on va vous inciter à utiliser les balises sémantiques du HTML5. Header, nav, main, article, footer, aside, etc., etc. C'est très important d'utiliser plutôt ces balises-là que des balises div, parce qu'elles donnent du sens à votre page. Et donc, un utilisateur, quand il a besoin d'accéder au menu, bah, il va aller rechercher les balises nav. Ça ne coûte pas plus cher d'utiliser une balise nav ou une balise div, mais ça va permettre d'avoir une meilleure compréhension, donc un meilleur référencement. Il va comprendre quel est le contenu qui est réellement utile. Et puis, d'un point de vue performance, on aura toujours les mêmes performances. Enfin, voici quelques recommandations sur le référencement. Donc là, bien évidemment, c'est la vision selon Google. Et le premier conseil que va donner Google, c'est de dire, quand vous concevez vos sites Internet, ne pensez pas au moteur de recherche, mais pensez aux internautes. Et c'est un petit peu un changement de philosophie, parce qu'avant, on cherchait à créer notre contenu en se disant, comment est-ce que je vais faire pour placer mes mots-clés, pour faire en sorte que je sois bien référencé. Maintenant, l'algorithme de Google est capable de comprendre le sens de ce qu'il y a. Il y a de plus en plus d'intelligence artificielle dedans et on va plus se rechercher à faire des bonnes performances sur des mots-clés, améliorer SEO par exemple, mais on va chercher à répondre à une question. C'est-à-dire que maintenant, avec les assistants vocaux, de plus en plus, on est incité à poser une question. Comment puis-je améliorer le référencement de mon site Internet? Et donc, bah, il va chercher du contenu qui permet de répondre à cette question. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on ne va pas chercher à faire artificiellement des choses pour être bien indexé, mais on va chercher à se concentrer sur réellement le contenu utile aux utilisateurs. Enfin, il y a quand même des petites choses à faire attention, c'est à bien indiquer à Google quelles sont les pages à ne pas indexer, qui se concentrent sur celles qui sont vraiment importantes, qui ont du contenu avec une valeur ajoutée. Ce n'est pas les mentions légales de votre site Internet qui vont apporter du contenu à valeur ajoutée. Donc pour cela, on peut utiliser pour vos pages le fichier robot.txt et puis donc dans les en-têtes, les balises meta-robot pour ne pas indexer. Mais également pour les liens sortants de votre site Internet, vous avez tout intérêt à utiliser l'attribut rel avec nofollow pour indiquer de ne pas suivre ces éléments-là. En conclusion, je voudrais vraiment faire passer le message aujourd'hui que ce sont vraiment beaucoup de choses qui sont très simples à mettre en œuvre. Souvent, on se dit « Oh là là, l'accessibilité, ça va être compliqué, je ne sais pas faire, du coup, je ne fais pas. » Pareil, le Green IT, je ne sais pas trop comment faire. Il y a plein de choses qui sont très simples et qu'on peut mettre en œuvre. Ensuite, vous allez voir que souvent, ces éléments-là, ils vont aller de pair. C'est-à-dire que quand vous allez améliorer le côté Green IT de votre site, vous allez de facto améliorer la performance. Quand vous allez améliorer l'accessibilité, le SEO va être meilleur. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont ensemble et vous allez gagner sur tous les tableaux. Et enfin, troisième chose qui est très très importante, c'est de respecter les recommandations du W3C pour que toutes les techniques d'assistance comprennent bien vos pages Internet. Toujours bien avoir en tête ces quatre éléments, Green IT, accessibilité, référencement et performance, mais également, j'aurais pu parler d'autres acteurs, la sécurité, les obligations légales, mais je n'avais pas le temps d'en parler ce matin. Et y penser depuis le début de la conception du site Internet jusqu'à la suppression. Pour terminer, je vous propose l'utilisation du petit plugin Lighthouse. Donc, c'est un petit plugin Firefox ou Chrome qui permet de tester la qualité d'une page suivant ces critères-là, performance, accessibilité, bonne pratique et SEO. Et non seulement il vous donnera l'indice pour vous dire où est-ce que vous en êtes, mais il vous donnera les voies pour améliorer les choses pour augmenter votre score. Voici enfin donc le support de la présentation. Donc, si jamais vous souhaitez récupérer le site Internet, parce que j'ai fait un site Internet pour cette présentation, je me suis dit autant être cohérent en essayant évidemment de
d'appliquer ces bonnes pratiques. Je vous remercie de votre attention. Désolé pour les petits problèmes de connexion. Et puis, donc, bah maintenant, si vous avez des questions, je suis ouvert à vos questions. Merci Hervé pour la présentation. C'était top, comme toujours.